This is the first U.S. presentation of an 18-month study of global limits to growth, sponsored by the Club of Rome with Volkswagen Foundation funding, by an international team of 17 scientists at the Massachusetts Institute of Technology under the direction of Dr. Dennis L. Meadows. During the last year, a group of us at MIT, the principal members of which are with me here today, have been looking at the exponential growth of our global social and economic system. We've been led to five basic conclusions. There are physical limits to growth, which, given current trends, are very likely to be encountered even during the lifetime of our children. Second, the most likely outcome of running into these limits, if we continue to ignore them and instead base our short-term policies on the assumption of continued growth, is that we'll overshoot those limits and collapse. The third conclusion is that we appear to have a viable alternative to this outcome, one in which population and material production could be brought into balance with a finite environment and with our resources. Fourth conclusion is that it's realistically going to take a period of 50 years, 100 years or more, to reach that alternative in an orderly fashion. And finally, and I think this is extremely important, every year we delay beginning to form our goals and moving towards them makes an orderly transition to this stable situation much more difficult, and it decreases our ultimate options. Analyser les crises singulières comme les symptômes d'une crise globale. Voilà la contribution visionnaire du scientifique à l'origine du livre « Les limites de la croissance ». Aurelio Peccei, le fondateur d'un groupe de réflexion mystérieux, le Club de Rome. The Club of Rome is a group of scientists, humanists, educators, and businessmen who is very much concerned about the state of the world. We cannot say that we have economic and ecological and political, psychological and security problems. Each problem is a multifaceted problem. Interconnected. And each one interconnects, interacts with the others. And many of these interactions are explosive. They seem to regard you, the Club of Rome, as a secret right-wing organization hell-bent on retaining the capitalist way of life. Governments tend to look at you as a left-wing organization undermining precisely the same system. Where exactly do you stand? Well, I presume somewhere in the middle. Basically, the Club of Rome is a body with a trying to take a scientific objective point of view. Peccei a été l'un des premiers à comprendre que les nouveaux défis posés à l'humanité étaient planétaires. Et il voulait développer un modèle scientifique qui permette de comprendre les évolutions possibles. Jay Forrester, du MIT, est l'un des pionniers de l'informatique moderne et le fondateur de la dynamique des systèmes, la discipline qui étudie les interconnexions entre des systèmes complexes. Il était sans doute le seul à pouvoir offrir à Peccei des outils pour comprendre l'avenir. Je les ai invités à venir au MIT pour se familiariser avec cette approche, en précisant qu'ils devraient venir pour 2 semaines, parce qu'il leur faudrait au moins ça pour comprendre. Ils ont accepté et m'ont dit qu'ils viendraient 3 semaines plus tard. Dans l'avion du retour, un vol Air France, je crois, il y avait 9 sièges inoccupés autour de moi. J'ai commencé à étaler des feuilles de papier pour esquisser une simulation des problèmes qui avaient été évoqués selon la méthode de la dynamique des systèmes. The problem here is that these systems are what we have come to call counterintuitive. They do not behave the way we think they do. And there are reasons for this. The human mind has gathered its intuition and its experience in dealing with simple systems. Driving an automobile is about the most complex system that the human mind thoroughly grasps. As we come to these more complex systems, we apply to them the lessons that we've learned in simple systems. But the more complex systems do not behave in the same way. And it's the structure of the entire system that gives it the behavior. Eventually, I want to understand population. And one influence on population is deaths.
Les limites à la croissance présentaient 12 scénarios possibles pour l'avenir, qui allaient de l'effondrement à l'équilibre. And I've assumed that that's a function of food per capita. Les scénarios dépendaient entièrement des choix faits par les hommes. Le professeur John Sterman enseigne toujours les thèses de cet ouvrage au MIT. Quel était le message des limites à la croissance ? Voici un diagramme très simple qui illustre les concepts des limites à la croissance. Ici, nous avons la population qui croît de manière exponentielle si on ne prend aucune mesure ou si la fécondité ne diminue pas. Là, la croissance économique qui suit aussi une courbe exponentielle. Toute cette croissance se produit sur une planète aux ressources finies. Des pans importants de ce système global génèrent structurellement une croissance exponentielle. La population et la croissance industrielle suivent par nature une croissance exponentielle. Quand nous approcherons des limites de la Terre, il n'y aura pas de réduction progressive de la population et de l'activité économique, ni une adaptation en douceur à la capacité de charge de la planète. En raison du retard dans la prise de décision, nous allons dépasser ces limites et entrer dans une zone insoutenable. Il n'y aura pas d'autre choix que de revenir en arrière. Soit il y aura une réduction organisée, un déclin programmé, ou bien la nature prendra le dessus et nous forcera à revenir dans une zone de croissance durable. S'il est vrai que les ressources globales sont limitées, alors le développement durable est un concept essentiel. Dans une économie durable, il y a un équilibre parfait entre les ressources naturelles et leur utilisation. De toute évidence, si nos technologies génèrent des effets secondaires néfastes, si les mesures sociales et techniques face à la pénurie tardent à venir, si le système des prix et les marchés ne fonctionnent pas correctement, nous serons dans une situation très difficile. Mais même si ces mécanismes fonctionnent, on n'aura pas résolu le problème, tant que tout le monde voudra consommer toujours plus. Voilà la vraie leçon des limites à la croissance. Pecei et l'équipe des limites à la croissance avaient tout fait pour avertir les décisionnaires des risques d'une croissance illimitée. Alors que tout le monde, apparemment, est conscient de la gravité des risques, comme en matière de changement climatique, on ne prend aucune mesure. Quand j'avais 27 ans, à la parution des limites à la croissance, je voyais le monde très différemment. Il y a deux approches différentes en matière de politique. Les scientifiques collectent des données et déclarent: grand Dieu, le niveau des mers s'élève, les tempêtes sont plus violentes, les sécheresses et les inondations s'aggravent, on assiste à un changement climatique, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L'autre attitude consiste à dire: je ne crois pas au changement climatique, parce que les glaciers en fait augmentent de surface. Les scientifiques étudient la question et disent: non, en réalité les glaciers diminuent dans le monde entier. Alors les climato-sceptiques rétorquent: en fait, je me soucie peu des glaciers. Je ne crois pas au changement climatique. Je ne vois pas de raison d'agir parce que les ours polaires se portent beaucoup mieux aujourd'hui. Les scientifiques se penchent sur la question et disent: non, en fait, les ours polaires sont très menacés. Ils se noient, ils ne trouvent plus de nourriture, la banquise se rétrécit. Les climato-sceptiques disent alors: en fait, le sort des ours polaires m'importe peu. Je ne crois pas au changement climatique parce que l'hiver dernier, il a beaucoup neigé sur Washington. Quand j'étais enfant, cette petite vallée abritait de nombreux arbres à feuilles caduques. Au cours des 50 dernières années, ils ont disparu, victimes de la concurrence des conifères. La biomasse se concentre dans des grands arbres comme celui-ci. C'est un épicéa. Il est très grand pour cette latitude.
Les gens se disent 2 degrés de plus, quelle importance. En fait, cela fait remonter la zone des conifères de 300 à 350 mètres. La végétation des Alpes va se déplacer de 350 mètres vers le haut. Ce qui pousse au sommet va aller au ciel et y rester. Ce sont des changements considérables. Les zones climatiques remontent vers le pôle Nord à raison de 5 km par an. Selon moi, le problème majeur, c'est la possibilité d'un renforcement du changement climatique dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Les émissions de gaz à effet de serre se poursuivront à un tel rythme que nous atteindrons un réchauffement de 3 degrés en 2080. C'est suffisant pour faire fondre la toundra, ou au moins repousser la limite de la toundra plus au nord. Cela provoquera des émissions de méthane et de dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre très nocifs. La température augmentera encore, ce qui accentuera la fonte de la toundra et libérera encore plus de gaz dans l'atmosphère. Si ce phénomène est enclenché, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Il se poursuivra jusqu'à la disparition de la toundra et la libération de tout le méthane dans l'atmosphère. Les problèmes planétaires affectent chacun d'entre nous, mais on ne peut les résoudre que si nous travaillons tous ensemble. On ne peut pas s'attaquer au changement climatique à Bucarest si on ne le résout pas à Pékin, à Ankara et à New York. La difficulté avec ces problèmes, c'est qu'il faut investir ici et maintenant, et que les bénéfices seront visibles plus tard, ailleurs. Les problèmes partagés offrent d'autres possibilités. Ils affectent tout le monde, comme la pollution atmosphérique, l'érosion des sols, les inondations, la déforestation. Mais on peut les résoudre ici et maintenant. Et les bénéfices sont rapides. Il faut par ailleurs cesser d'espérer atteindre un développement durable et privilégier la résilience. Il faut passer du développement durable au développement de survie. La résilience, c'est la capacité à encaisser des chocs en continuant à fournir des services essentiels. Après Fukushima, les villes résilientes ont pu rapidement alimenter leur population en eau et en nourriture. Les villes qui n'ont pas eu cette capacité de résilience ont été dépassées. Pour résoudre les problèmes des changements climatiques, il suffirait de transférer 1 à 2% de l'emploi et des investissements des activités polluantes vers des activités propres. Est-ce que le système capitaliste peut nous aider à réaffecter ces flux d'investissement? La réponse est non, bien sûr. Le capitalisme affecte les investissements aux secteurs les plus rentables, pas aux secteurs qui offrent un bénéfice social. Le capitalisme ne résoudra pas ce problème. Est-ce que la société ne pourrait pas réguler le capitalisme pour allouer les ressources à des projets qui seraient bénéfiques pour la société et rentables pour le capital? Si, bien sûr. La société pourrait s'entendre pour imposer un coût aux émissions de gaz à effet de serre, un prix du carbone. Il faut pour cela que les parlements votent ces mesures. Les parlements sont composés d'élus qui dépendent de leurs électeurs. Et leurs électeurs privilégient le court terme. Ils sont hostiles à l'augmentation des prix de l'essence ou des prix de l'énergie. Le problème fondamental, c'est la vision à court terme des individus qui s'expriment dans la démocratie et le capitalisme. Ce sont ces systèmes de gouvernance qui organisent nos existences. Voilà le problème. Il est en vous, en moi, en tout le monde. C'est la vision à court terme de l'être humain. Le premier tableau des limites à la croissance de 1972 s'intitulait « Les perspectives pour l'humanité », avec le commentaire suivant. Bien que les perspectives d'avenir des hommes varient dans le temps et l'espace, tout ce qui compte pour nous peut être figuré dans ce graphique espace-temps. La plupart des gens ne s'intéressent qu'à ce qui touche leur famille ou leurs amis sur une courte période de temps.
D'autres se préoccupent de l'évolution d'un espace plus vaste, une ville ou un pays. Très peu de gens ont une perspective globale et se projettent dans un avenir lointain.